Nous voici réunis pour des saints communois. Voilà la maison communale devenue sanctuaire, et je me vois si humble pour présenter pareille galerie céleste devant l'assemblée que j'entrevois là, tellement honorable. C'est pourtant avec un réel plaisir que j'ai accueilli l'invitation de mon frère Michel De Witt pour commenter cette inauguration. C'est une première à Comines-Warneton. Il fallait y penser, c'est vrai, mais il fallait surtout posséder le talent pour la préparer. D'emblée, Michel nous montre que bien plus qu'un certain talent, il a le talent certain. Le calepin à la main, ce que bien peu savaient, c'est qu'il crayonnait. Régulièrement, il troquait son stylo contre une mine de plomb et, mine de rien, il esquissait quantité de mine. La caricature, force est de l'avouer, c'est un jeu cruel qui croque ses proies. Pour la réaliser, il faut oser prendre un nez pour en faire un pic, un cap ou une péninsule. Choisir une ride pour tracer un ravin, décoller une oreille pour mettre une feuille en page, saisir un menton pour tailler un sabot. C'est exagérer ce que Dame Nature a le moins bien réussi. Cela doit ressembler, mais cela doit surtout faire sourire. Là, nous retrouvons intégralement le tempérament spirituel de Michel et son goût bien connu pour la plaisanterie. À cet égard, il convient de remercier le comité des fêtes qui a accepté de la parrainer dans son programme. Un autre merci va aussi à l'administration communale pour la collaboration apportée en ouvrant ses portes à un praticien de la bonne humeur. Un souhait reste à émettre, que celle-ci se fasse communicative, qu'elle nous égaye chacun, qu'elle nous amuse avec la bonne bouille des modèles épinglés. Ce ne sera pas difficile, habitués que nous sommes à toutes les joyeusetés, parce qu'à Comines-Warneton, il y a belle lurette qu'on ne s'étonne plus, qu'à dessein, on offre aussi des statues qui font rire.